Alors moi c'est Myriam Soumaré, je suis athlète professionnelle, j'ai 27 ans. Je fais du sprint plus précisément, 60 mètres, 100 mètres et 200 mètres. J'ai 2 participations aux Jeux Olympiques, 3 championnats du monde, 3 médailles dans les championnats d'Europe et plusieurs titres et médailles aux championnats de France. Mon plus grand titre pour le moment, c'est ma médaille d'or aux championnats d'Europe en 2010 à Barcelone sur 200 mètres avec un triplé, une médaille sur 100 mètres et une médaille avec le relais 4x100 mètres. Au départ de Myriam Soumaré, Lina Jacques-Sébastien doit se mettre en action maintenant alors que Fedoriva ça va être chaud cette dernière ligne droite. Fedoriva qui va être championne d'Europe. Myriam Soumaré qui est toujours dans le coup. Myriam, c'est pas moi les championnes d'Europe. Elle est championne d'Europe. Ah, c'est incroyable, 22-31. Myriam Soumaré qui réussit l'exploit de ces championnats d'Europe. Incroyable, incroyable. 7 dixièmes à son record, 23-01. Elle n'y croit pas, elle n'y croit pas. Cette course qu'elle nous fait! Là, c'était pas possible. Personne ne... Ce qui est bien dans l'athlétisme, c'est qu'on ne dépend pas des gens, on ne dépend pas des conditions d'entraînement, on ne dépend pas du complexe sportif. Pour réussir, il suffit juste de courir vite et s'entraîner dur. J'entends souvent dire si elle a réussi, c'est parce qu'elle était douée ou c'est parce qu'elle courait vite. Je tiens quand même à préciser que courir vite, ça ne suffit pas. J'aurais pu continuer à être une fille qui court vite seulement, mais j'ai décidé d'être une athlète de haut niveau et d'être une athlète qui court très très vite, plus vite que toutes les autres. Donc pour ça, je m'en suis donné les moyens, je me suis entraînée dur, j'ai fait des concessions au jour le jour, c'est pas du jour au lendemain où je m'entraîne 5 fois par jour, non. Au début, j'ai commencé à 1 fois, 2 fois et petit à petit, j'ai pris le rythme et le goût surtout. Donc je me suis accrochée. Et finalement, ça a fini par payer. Donc, dès qu'on a une passion, un endroit où on se plaît et où on se fait plaisir, où on sait qu'on a les moyens, ce serait dommage d'arrêter en se disant bah, « Non, moi, je ne vais pas réussir, c'est que les autres. » Enfin, on n'a rien de plus ni de moins que les autres. Ok, on n'est pas entouré comme certains Parisiens ou comme certains d'autres grandes villes, mais à partir du moment où on a la motivation, je pense que ça ne sert à rien de se mettre des barrières. Un moment qui m'a marqué récemment, c'est ma demi-finale à Pékin, aux Jeux Olympiques. Je devais arriver dans les 2 premières. Pour être qualifiée à la finale. Et j'étais dans un stress immense. C'était voilà, une demi-finale aux Jeux Olympiques. Tu sais que si tu gagnes, tu rentres dans une finale olympique. Et que si tu rates, tu passes inaperçu. Enfin voilà, c'était le moment où il faut tout donner. J'étais fatiguée, j'étais stressée, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. J'avais toute la pression, je savais qu'il y avait tous les journalistes derrière moi, c'était une compétition qui était très très médiatisée. J'aime bien ce travail mental qui arrive juste avant la course, peut-être 5-10 minutes avant la course où tu doutes et puis après tu dis non, c'est bon, je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je me suis bien échauffée, ça ira. Et puis tu vas sur la piste, tu entends le stade rempli qui crie, on te présente, tu as le stade qui t'applaudit. Et puis on te demande de te mettre en place et là c'est un silence. Je ne sais pas comment il se fait. Tu entends juste ton rythme cardiaque et puis tu attends que le starter il donne le coup d'envoi. C'est comme si il ouvrait la cage et là c'est juste des lionnes qui veulent absolument arriver les premières. Il y a eu beaucoup de suspense après la course pour savoir si je passais ou pas en finale. J'en ai pleuré quand j'ai su que je passais en finale, mais je pense que c'était encore plus beau que ma série, encore plus beau que ma finale, parce que c'était vraiment un moment où j'ai tout donné, j'ai eu vraiment aucun regret sur cette course, et je pense que c'est mon plus beau souvenir des Jeux Olympiques. Voilà. Derrière une française, une nouvelle. Peut-être une semaine après le championnat d'Europe, j'ai eu un appel d'un vieux monsieur qui m'avait appelé pour me dire qu'il était en soins, qu'il sortait d'un cancer et qu'il était à l'hôpital toute la journée et que le fait d'avoir vu mes courses et la joie que j'avais procurée après mon titre, ça lui avait donné envie de se battre encore plus et de s'accrocher à la vie. Donc j'en étais très émue et ça m'a fait plaisir. J'ai gardé le contact avec ce monsieur et voilà, il me tient au courant de sa santé qui va de mieux en mieux. Mais c'est vrai que quand on sait, même si voilà, on court et parfois dans les compétitions on oublie un peu tout ce qui nous entoure, on sait qu'on n'est pas soutenu que par sa famille ou ses amis, on sait qu'il y a des inconnus qui comptent sur nous, il y a des inconnus à qui, quand ils zappent sur la chaîne et qu'ils nous voient, ça leur fait plaisir. Rien que pour le plaisir que je donne, j'ai envie de continuer encore un peu. Pour moi, venir de Sarcelles, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que, contrairement à d'autres clubs et d'autres structures, on n'a pas tout l'encadrement possible, on va dire, sur place. On n'a pas les kinés, on n'a pas des bains froids à disposition après chaque course. Mais moi, je m'en sors très bien ici. Trop de confort tue le confort. Donc là, voilà, moi, avec mes propres moyens, je me débrouille. Moi, j'aime cette ville et pour rien au monde, j'aimerais aller dans d'autres grands clubs. Alors pour moi, la réussite, elle passe pas forcément par des grandes médailles, des grands championnats ou un gros salaire. Moi, je considère avoir réussi à partir du moment où mes parents étaient fiers de moi. J'ai réussi lorsque j'ai obtenu mon bac. J'ai réussi lorsque j'ai pu payer toute seule mon propre loyer. Voilà, c'est des petites choses du quotidien qui font que j'apprends, je grandis et j'arrive à me débrouiller par mes propres moyens. C'est vrai que les médailles et tout ça, c'est un plus. Mais demain, si tout doit s'arrêter, j'ai encore plein de choses dans la main et c'est vraiment super.